Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de The Evil Within 2 sur PC. On va tout de suite continuer en allant dans la moelle opération. L'ordinateur dont parlait O'Neill. Essayons ce mot de passe. Donc vous allez découvrir ce que c'est que la moelle. Donc là c'est juste un temps de chargement, hein. N'inquiète pas. Comme c'est assez petit comme zone, généralement, ça va charger après. Voilà, on va dans la moelle. Donc même dans la moelle il y a des zombies, hein. Je trouve que ce sont les zones les plus stressantes, flippantes. Du moins celle que j'ai déjà faite, la moelle armurerie, que je vous montre, cette moelle là, juste en bas, était vraiment pas facile. Enfin, facile. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui, tiens. Pouvoir continuer à avancer. La sortie, pite. La situation n'a pas l'air idéale ici non plus. Alors ici, on peut taper. On se choper quelques petits gels. Je crois que c'est 3 fois. Allons-y. Et touche. Personnel concerné de opérateur Brace. Croissance grâce au succès du plan de recrutement du centre MUF, la croissance du lion dépasse toutes les prévisions. La fabrication de caissons du STEM a été augmentée. L'expansion du lion a été esquissée et programmée. En raison de la croissance de la population, la carte du lion devra être agrandie de 50%. En plus de nouveaux quartiers résidentiels, zones agricoles et industrielles seront ajoutées. Offrir un emploi à tous les citoyens. On dirait que c'est ici qu'ils concevaient les différentes parties du Nyon. C'est toute la carte du Nyon? C'était vraiment grand. Alors, donc, que j'explique un peu où on était. Donc, nous... On était là, juste là, où il y a l'église. Et là, on dirige dans la zone juste là-bas, où il y a le clocher. Donc ce sera ça, la deuxième partie. La troisième partie, ce sera là-bas, je pense. Donc il y a un viseur, un pointeur, pardon. Donc, il n'y a rien à ce que je disais. Hop là. Oui, mais je vais en parler plein, ça. Vous avez tous un masque, c'est pour ça. Ok, le serveur vient juste de ça. Ok. Qui peut voir?
On est là. Pour ouvrir ça, en fait, il faut juste utiliser un carreau électrique. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mission de fusil à pompe, oui, je vois. Attendez, je remonte un peu le son. C'est trop calme. Hein. On va voir si on peut détruire la clé d'aération. Tant pis. La carte de la moelle. J'ai oublié que c'était ça pour taper. Je sais pas si on peut taper un livre imputé. On va regarder ça. Je suis en train de comprendre un peu tous les jeux. Non, bah là c'est clair, pourquoi pas. Doucement. Aïe. Faire ça pour ouvrir. Le trou de touche, je vais là, c'est plein. Du en haut. Je vais voir ce qu'il y a en échelle. On ouvrira la porte en bas. Trois coups ça suffit. Ah putain, je l'ai fait bugger. On va pas avoir sur route. C'est quoi, c'est une sacoche de munitions, c'est ça? De munitions. D'accord, très bien. Que je pourrais rappeler. Procédure de verrouillage d'urgence actuellement enclenchée. Le verrouillage peut être désactivé en l'ajustant à la fréquence de votre communicateur. Autant essayer. Ah oui, je vais pas regarder par là-bas. Mais dans le premier, ouais, dans la première moelle, il y avait ça et tu vois, c'est pas difficile à faire. Verrouillage
verrouillage d'urgence désactivé. Le système doit réinitialiser chaque annexe. Veuillez patienter. Verrouillage d'urgence de la zone de loisirs désactivé. Réinitialisation du système. Verrouillage d'urgence du département de recherche désactivé. Réinitialisation du système. Oh non, 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 non. Et calme-toi, ça. Verrouillage d'urgence de l'annexe de sécurité désactivé. Réinitialisation du système. Oh non, oh non, oh non, pas elle, pas elle, pas elle. Et là-bas. Putain. On doutait. Bon, je recommence là, ça. Chiant. Plutôt chiant. Pas normal, ça part. Ils sont censés avoir quelqu'un par terre là. Hein. Allez. Procédure de verrouillage d'urgence actuellement enclenchée. Le verrouillage peut être désactivé en l'ajustant à la fréquence de votre communicateur. Autant essayer. Verrouillage d'urgence désactivé. Le système doit réinitialiser chaque annexe. Veuillez patienter. Verrouillage d'urgence de la zone de loisirs désactivé. Mais c'est quoi ça? J'y crois pas. Verrouillage d'urgence du département de recherche désactivé. Réinitialisation du système. Mais non. Saloperie de merde. Tu te casses la gueule. Mais non, mais c'est pas possible quoi. Allez, vas-y, fais-moi trouver. Putain. Casse-moi là. D'urgence de l'annexe de sécurité désactivée. Réinitialisation du système.
Voilà. J'espère que c'est terminé. Il faut que je conserve des munitions. Sans blague. Réinitialisation du système terminée. Verrouillage d'urgence entièrement désactivé. Oh là là. Torpo, hein. Bon. Allons par là-bas. Je pense qu'il peut y avoir une statuette ici. Ah non, c'est trop lent pour équiper. Il n'y en a pas. La bruit m'a fait peur. Allez. On y va. Tu fais passage au chat. J'ai l'accès sans. Bordel, cette odeur. C'est là-bas. La fuck ou ça? Ah mais j'ai pas fait la zone en bas. Tu pète. Un des deux qui vont se relever. Ça se voit pas. Et y a rien d'autre. Et ouais, bien sûr, les égouts, les fameux égouts. Allez, on descend, petite foulée. Qui a fait ce bruit? Il se dénonce. Ah, en fait, c'est que moi qui rentre. Oh, d'accord. Le con. Hein. Et il n'y a pas de statuette ici. Sérieusement.
T'en as-tu pas sûrement caché une ici? Pas le contraire. Bizarre. Je peux pas le récupérer parce que j'ai pas assez de munitions, on va en gâcher. J'utilise pas le fusil à pompe, il est pas très très puissant. Moi je l'ai pas venu run, normal. Cacher une balle. D'ailleurs, je suis pas pressé de revoir ce truc qu'on avait vu au tout début. Avec tellement de têtes de femme et sa scie circulaire sur sa main. Plutôt à la place de sa main. Oula, 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 là, là, là. Ah oui. Donc le fameux gaz mortel. Merci O'Neill. J'aurais jamais pu traverser sans ce truc. Non. Oh non, je veux pas. Je veux pas. C'est un vrai labyrinthe ici. On est là, hop. Oh merde. Je veux pas. Inflammable. Question d'utiliser des armes à feu. Toi, tu vas le payer le sang. Hop. Pourquoi c'est tout le temps de... Voilà. Parce que je voulais faire... C'est affreux. Vivement qu'on finisse cette scène. On dirait Metro Last Light. Metro 2033. Là-bas. Un verrou électrique. Merde. Non, il faut bien suivre la piste. Elle on.
Bon, on va attendre qu'elle passe. Avec un peu de chance, ça a fait quelque chose. Bon, je vais passer maintenant. Tu te fais toucher par lui, t'es one shot, hein. C'est bon. Ah, enfin. Quelle puanteur sous ce masque. Oh là là. Ouf, c'est pas facile, hein. Il n'y en aura pas beaucoup des comme ça. Par ce succès du nouveau plan de recrutement, nous avons atteint nos objectifs de données. Chaque citoyen d'Union ajoute 100 hexaoctets aux capacités de stockage et de calcul du système. 2 millions d'hexaoctets sont nécessaires pour activer le système sans fil. Si nos prévisions sont exactes, nous devrions atteindre cet objectif en quelques mois. Un système sans fil éliminera le besoin coûteux en caisson du système et nous aidera pour la phase de l'immersion. Système total pour la population. Oui, d'accord. Ils ont craqué, quoi. La sortie P2, c'est bien là-bas. Là-haut, il y a quoi?
Car Warponneur. Qu'avons-nous là? Je suis pas mis sur ça. Je peux pas. L'effondrement a provoqué une fuite de pompe. Eh oh, quelqu'un m'entend? C'est Watkins. Watkins, qu'est-ce qui se passe? L'effondrement arrive plus vite que prévu. Et il touche même la moelle. Ces créatures essayent de s'infiltrer. Il faut m'aider. On risque rien de ce côté. Venez. Je peux pas. L'effondrement a provoqué une fuite de gaz dans les tunnels d'accès. J'ai laissé mon respirateur dans le blindé. Envoyez-moi une équipe par les tunnels, avec un respirateur. Désolé, nous ne risquerons pas de personnel juste pour vous aider. Bande d'enfoirés. Oh, donc ça fait exploser la tête. Bon, bah on continue. Ça le t'aidera. Là-bas, ça servira à rien. Fermez-moi. Fermez-moi, hein? Ok. D'accès ouest. Enfin, ma porte de sortie vers Union. Voilà ce qui est donc la moelle. C'est chaud quand même. Hein. Hôtel de ville. Chargement. Ça a pas l'air d'être une très grande zone non plus. Hein. La vitesse de chargement, ça doit pas être une zone ouverte. Oh non, j'ai rien. Six heures de jeu déjà. Pas mal, pas mal. Café, pas besoin. Ça a besoin. Alors, m'a-t-elle quelque chose à me montrer? Mettre le mien. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Un nouveau diapo, hein, ça sert à rien. Hein. Oui, il n'y a pas de nouveau diapo, mon chat. Quelque temps. Oui, je sais, je sais. Ah, besoin. 4000, ça passe. Par contre ici, opération arme, pistolet. Hop là. Bon Tatiana, tu as quelque chose à me dire? Tu as quelque chose de nouveau?
Il n'y a rien d'autre? D'accord. Allez, monte. J'espère que le déplacement instantané est possible, parce que sinon, ça va être assez difficile de... Donc, si je vais là... Je cherche ça... Ah bah non. Ah bah. Au bout d'un moment, c'est facile de le trouver, ça. Ce doit être l'hôtel de ville. Lily, il faut que j'arrête ce type. Voilà. Plein milieu. What? Oh non. Vitre 5. Voilà. Je suis pas sûr d'être prêt pour ça. Il n'est plus question de faire demi-tour maintenant. Encore une magnifique journée. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où il faisait mauvais temps. Il fait toujours le temps parfait. Quel bonheur d'être né et d'avoir grandi à Union. Je suis jamais parti. Et je compte bien finir mes jours ici. Ah. Sentez ça? L'odeur du printemps. Les plates-bandes qu'ils ont plantées sont vraiment belles. Vous ne trouvez pas? Bon, c'est trop tir du jeu quand même. On peut finir avec quelque chose ou pas ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Jenna. C'est ce truc. Va être pas à récolter ça. On peut pas passer, c'est mal. Je pense hein. Pas. On prend son temps, on prend son temps. On va pas rusher la zone. Hop là. Ok, deux pochettes de soins. Ouais, on fait plein de mules. Hein. On fait plein de munitions.
Bon, bah ça c'est clair, on n'a pas le choix. Je sais, il y a combien de chapitres en tout dans le jeu. Moi, ça je sais. Ouah, chaud. Je t'attends. C'est ça, tu vas voir, connard. Oula, 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 là, là. Calme-toi. On va tirer les barbelés. Voilà. C'était obligé. Hôtel de ville, tu gagnes. Le Veritas. Oh non, elle. Non, oh, oh, pas elle. Salope. Merde. Je me suis loupé. Aïe. C'est à peu près le premier boss fight. Hein. Là. Et reste à terre. C'est quoi, je m'enfuirai pas. Je vais pas mon choix. Alors, combien tu vas me donner? 5000? 6000? 5000. Ça va. Et bien. Ah oui, j'aurais pu utiliser mes carreaux d'arbalète. Ah oui, j'aurais pu utiliser ça. Merde. Ah bah oui, c'était exprès, mais. Bon, je peux le savoir. C'est pas grave. Et je l'ai déjà tué, c'est bon. Rien à craindre. Ah oui, il y a ces carreaux là aussi. Oh là là. Voyons Castellanos. Castellanos. Pas besoin de t'exciter.
balle de précision. Haha, nice. Ok, détaché. Tout ce qu'on peut avoir, ça permettra de récupérer les missions qu'on a perdu pour le fight. Oh, encore un. Allez, on va monter. Allez, je sais que tu peux monter. Oui. Tant pis. Je suis un Mongol. Je suis un Mongol. Mongol, Mongol, Mongol. Activer tous les traps. Un bon fight. Changer d'heure. C'est tout terrain. Bonne voie, j'ai tout. Si jamais j'ai besoin de balles, je sais où en trouver. Moi, je sais où en trouver plein. Ah, mais c'est Beacon. Ça me fait penser à Beacon. C'est ça? Je ne suis pas l'un d'eux. Oh, qui êtes-vous? Ne vous en faites pas, c'est O'Neill qui m'envoie. Je pensais qu'il restait plus que moi. Je cherche le noyau. Où est-elle? Elle est là? Premier étage, l'émetteur de champ stable. L'émetteur? On s'en fout de ça. Je cherche le noyau. Vous devez activer l'émetteur. Il stabilisera l'environnement. Sans ça... Union va complètement s'effondrer, et le noyau n'aura plus aucune importance. Activez-le! Ça affectera son pouvoir. Son pouvoir... Vous voulez dire... Prenez ça. Utilisez-le pour activer l'émetteur. Un autre membre de l'équipe mort. J'aurais aimé avoir plus d'infos. Toujours pas vu là. La chinoise. Je te trouverai, quoi qu'il en coûte. Thank you.
Mesure d'extension suspendue. La conservation de la carte originale est primordiale. Fracture de surface et perte du contrôle atmosphérique s'ajoute une simulation de lumière du jour promise. Les contre-mesures à la défaillance du système ont été prises, mais nous recevons des rapports de problèmes jamais rencontrés jusque-là. La mémoire des citoyens subit des réécritures, d'autres rapports indiquent des dysmorphies, autant corporelles inexpliquées et des tendances violentes. Attendons, Thierry. Ceci 17h40. Puis on peut bien charger. Okay. Sauvegarder. Chapitre 5. Continue encore un peu. Fabrication. Chambon. Allez, 3. Crée 2. Ça reprend. On viendra ici à plus tard. Que cette porte s'ouvre. Même mode opératoire. Il est ici, quelque part. Qui est-il ? Le saura pas. Je sais pas en fait. Où dois-je aller ? Si tu es là, y'a rien. Je sais pas. Pas du tout. Trailer room ici. Il y a un passage. Descendre, est-ce que je vois où est-ce que ça. Donc je vois rapide. Ah bah c'est vite fait. Attention, on mettra un raccourci plus tard. Putain, j'ai liqué la vidéo quand même. C'est mal. Bon, on y va. Pourquoi tu l'as mis comme ça? C'est quoi ce méchant? Rapide accroupi marchand. De beaux marchands. On va faire ça quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cette femme? Héros.
C'est bon, j'ai compris. Attends. Juste avant. Qu'est-ce que c'est? Cet appareil est si vieux. Ouais. Ça doit vouloir dire quelque chose. Bon. J'ai vu quelqu'un. Flipper. Mais qui a bien pu inventer ça? C'était quoi? La peinture? Afterglow. Gift innocente. Apprécie l'art. Un nouveau corps décapité des pères. D'après le PKC, le corps d'une femme a été découvert ce matin dans le parc de la ville. La victime identifiée est Emily Lewis, une jeune mannequin et actrice. Sa tête n'a pas encore été retrouvée, mais un examen de ses effets personnels sur la scène du crime a permis son identification. Il s'agit du dernier d'une longue série d'homicides de nature similaire. Comment il sait que c'est le dernier? Ah oui, non, voilà, c'est le dernier actuellement. Le lieutenant James Van Kirk de la Firmino Soption lors du Crimson City pourrait être un chasse d'un tueur en série. L'ami de longue date d'Emily et photographe Stéphane Valentini s'est exprimé aux infos. Il est arrivé une chose horrible à mon adorable mannequin. J'aurais pu au moins capturer son essence. J'aime. Ah, ok. Soir actuel. D'accord. Je me souviens de cette affaire. Toujours pas classée. La gloire. Et ma fille est là-bas. C'est Lily. Ce type joue avec moi. Et là, on se retourne. Bam. Connard. Salaud. Ouais, on va regarder la porte. Bon, on se retourne, la porte sera derrière. Voilà. On va là-bas. Pourquoi il y a le jingle miroir? Salaud. Les mannequins me font peur. Hop.
bientôt. Vous êtes prêts? C'est parti! L'agent de Mobius dans l'entrée de l'hôtel de ville. Une autre sculpture jolie, pauvre type. S'il n'était pas déjà mort avant d'être jeté là-dedans, il le sera à la. Encore une. Mais qu'est-ce qu'il cherche? T'es où? Il a pas l'enculé. On va passer les rideaux, là, hop. Et donc, lui, le visage qu'on avait dans tout début, avec les yeux sur les tableaux. Pas ça du tout. Bon bah, il t'entraîne à rien. Et on va glisser. Je le sens. Hein. Ce tunnel n'a pas de fin. Ah si. Je sens. Non, ça c'est le collier, les fleurs qui fait tout à l'heure. Ça c'est sa tête. Ça va faire mal. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pas des frères. Ah, il y en a beaucoup quand même. J'ai compris, ce monstre les transforme en pierre. Il faut aller là sur une carte plutôt élégante. Elles étaient trop belles pour les laisser dans la rue. Je devais les exposer, j'aurais aimé en tirer une certaine. Sens, mais je suis content de mettre le seul artiste ici. J'ai la chair de poule. Ouais, bah oui. La tête est partie. C'est un monstre rempli de mannequins. Je vais faire un boss, c'est pas longtemps. Putain, mais toutes ces munitions, quoi, c'est boss 100%. Ça doit être l'émetteur. C'est un gros gunfight ou un battle boss. Ouais. Allons-y. Autorisation requise. Veuillez vous connecter depuis un terminal autorisé. Un terminal? Sûrement sous communicateur. Séquence de redémarrage initialisée. Ouais, pas un gunfight.
Vous me cherchez depuis si longtemps. Alors je suis venu. Attendez, ce n'est pas moi que vous cherchez, n'est-ce pas? Non, c'est la fille. C'en est presque offensant. Mais comment pourrais-je vous en vouloir? Vous n'êtes pas la seule personne à chercher son pouvoir. Il y a quelqu'un d'autre qui le mérite bien plus que les autres. Quelqu'un qui peut offrir des récompenses au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc, désolé, votre offre est refusée. La peur. Vous irradiez la peur. C'est magnifique. Mais ce n'est pas encore terminé. Je suis Stefano. Et désormais, vous êtes mon œuvre. La voilà. Dites bonjour à la belle Obscura. Séquence de redémarrage initiée. 90 secondes avant réactivation. Cette chose empêche l'émetteur de s'activer. Comment doit-on? Eh, salope. Bonjour madame. 60 secondes avant réactivation. Allez. Merde. 30 secondes avant réactivation. Saloperie. Je reviens. Attends-toi. Et encore deux fois. Il est stylé quand même. Hein. 10 secondes avant réactivation. Non, normalement ça doit être. Réactivation de l'unité. Et voilà. Stable, ça c'est sûr. Procédure de stabilisation terminée. Super, j'ai sauvé ma peau. Mais je fais quoi maintenant? Il a sûrement pas laissé Lily ici en partant. Où est-ce qu'il l'a emmené? Je ferais bien de tenir Kidman informé. Merde, je capterai peut-être mieux dehors.
What? Oh. Drôle d'émetteur quand même. Viens voir comment ça va changer dehors. Hop, verrouillé. La capacité à top le cerveau quand même dans le jeu est excellente hein. Bon bah tout va être fermé comme d'hab. La question est est-ce qu'on va retomber sur Obscur hein, genre, parce que juste pour ça, je pense qu'elle est pas très utile hein. Entretien sociétal d'Union. Enfin, afin de maintenir la population dans un état pacifique et obéissant, nous devons lui fournir des systèmes bureaucratiques et renforcer l'illusion de productivité. À cet effet, un hôtel de ville représentant le cœur décisionnaire sera conçu. Chaque citoyen devra passer une série de permis nécessitant plusieurs formulaires et tables fiscaux contenus à déterminer le développement actuel au sein de l'équipe de fabrication. Pardon. Ça se croche sur la mauvaise page. Pourquoi ça se croche sur la mauvaise page? Allez. Une élection municipale sera organisée pour laquelle chaque citoyen pourra voter pour l'un des deux opérateurs proposés par nos soins. L'image des élections réelles déjà en place. Les rendus photoréalistiques de l'extension New Union suivront une architecture typiquement américaine à hauteur de 70% afin de permettre aux citoyens d'améliorer et de personnaliser leur habitation. Pardon. Ces nouvelles mesures devront favoriser le calme et la standardisation de la population. Une population docile permettra l'extension d'Union qui conduira à un nombre d'unités de mémoire citoyenne suffisant pour réaliser la phase 2. Ok. On a la moitié des dossiers quand même. Hein. Avance, avance. Ah, une seringue. Utiliser une seringue, soigner. Parce qu'il y en a plus là. Ok, descend. J'arrive pas à croire que ces enfoirés aient utilisé Lily comme rat de laboratoire. Et ah bah ça. Le culot de me demander à moi de nettoyer leur bordel. Tu parles d'une blague pourrie. Statuette. Est-ce que c'est sur 32? On va les sauvegarder, je pense qu'on va s'arrêter. Alors c'est pas. Ah oui mais non mais d'accord. Cette zone là. On sait qu'il y avait une statue. Et voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Si vous êtes un petit peu en HD. Passez une bonne journée, bonne soirée. Vive les jeux vidéo.